fait, c'est parce qu'à l'époque, on allait chasser les esclaves dans les siocs et tout. Il fallait couper une oreille pour vraiment prouver qu'on avait retrouvé un esclave. On l'appelait les oreilles. Il n'y a plus de baleines, hein, c'est dommage. Hein. Voilà. Cette année, on a eu beaucoup de baleines. C'est-à-dire qu'ils font 5000 km, ils sont de l'Antarctique. Et ils repartent, bien sûr, ils font encore 5000 km. Vous voyez la pointe, vous voyez la montagne avec la peinture blanche tout en haut, le sommet, ça s'appelle là la Marianne. Regardez bien, au fil de la Marianne, on verra mieux dans un instant. Saint-Denis de la Réunion. Alors ici, juste à ma droite, ici, je ne sais pas si on vous a dit, c'est la préfecture de Saint-Denis, d'accord? C'était à l'époque le palais du gouverneur, c'est-à-dire Maé de la Bourdonnais. Le premier gouverneur. Là, vous avez les canons sur la gauche. Vous voyez les canons, là? En fait, c'était prêt à tirer sur l'ennemi à l'époque. On va essayer de voir nos gens qui sont là ou pas. Il y a trois mon petit copain de la métropole, tu dis que là-bas l'hiver et le froid te font rêver de mon pays, alors viens donc ici. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Qu'au mois de janvier, les fleurs sont magnifiques, car chez nous c'est l'été, sous les tropiques. Tandis que la neige couvre ton jardin, ici le soleil a déjà mûri le raisin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. À la main, ont l'air de tziganes, les grands flamboyants, au soleil couchant, se déshabillent en semant leurs pétales de sang. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Et les fleurs ne vont pas s'ouvrir en même temps. Heureusement d'ailleurs, sinon on ne pourra pas les polliniser. Parce qu'il faut les polliniser à la main, les fleurs, vous savez. Il faut faire ça à la main. Pour ça, on récupère chez nous les épines d'un cactus. Je crois que chez vous, vous appelez ça un figuier de Barbary. On prend les épines. On peut prendre des aiguilles à coudre aussi, hein, sauf que le cactus est naturel. Dans la nature, il existe une petite mouche qui fait le travail. Mais elle ne vit pas à La Réunion, c'est qu'au Mexique, au Brésil qu'il y en a. D'ailleurs, est originaire la vanille. Hein. On a essayé d'introduire la mouche, c'est pas le climat. On pense plus qu'il y a un prédateur qui vit ici et qui mange la mouche. Et la période où il y a des fleurs, on a commencé à polliniser début septembre. On va terminer donc la semaine prochaine. Donc à cette période-là, tous les jours, on va passer dans les champs. Et on pollinise chaque fleur ouverte. La récolte des gousses, on a commencé fin mai à récolter, on a terminé septembre. En fait, quand on a fini de ramasser, on commence à polliniser. Et la récolte, par contre, c'est tous les 15 jours. On n'aura qu'une récolte par an,
elle s'étale sur quelques mois, parce que toutes les fleurs n'ont pas été pollinisées en même temps. La fleur ne vit qu'une journée, donc pas ratée. Elle est mâle et femelle en même temps. Et la pollinisation des fleurs, c'est le travail des femmes, essentiellement. On les appelle les marieuses. Et quand c'est une grosse période de fleurs, et grosse période, ce sera toujours au mois d'octobre. Hein. Donc au mois d'octobre, une marieuse peut polliniser entre 1500 à 2000 fleurs. Mais il faut faire le matin, il fait chaud. L'après-midi, les fleurs commencent à se refermer, ce sera plus difficile. On va polliniser les fleurs, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Par contre, il y a une chose importante à savoir, le geste de la pollinisation de la fleur, il est trouvé à La Réunion. Vous saviez ça? Il a été trouvé par un jeune esclave, qui s'appelait Moïse Lius, et il a trouvé le procédé en 1841. Avant qu'il ait trouvé le procédé à La Réunion, on plantait des vanniers, c'était pour la beauté des fleurs, simplement. On connaissait les gousses, puisque les diables ont été importés du Mexique, et on explique qu'il y a la mouche. Et ici, on ne savait pas comment faire. Et un jour, il a trouvé. Comment il a fait? Il y a deux versions. Une raconte qu'il était en colère. En froissant les fleurs, mais d'elles-mêmes les fleurs après. Hein. Le sucre de canne, la mangue et le tamarin, ça sent la banane, la vanille. Vanille. Le sucre de canne, la mangue et le tamarin, ça sent la banane, la vanille et le cumin. Le sucre de canne, la mangue et le tamarin, ça sent la banane, la vanille et le cumin. Le sucre de canne, la mangue et le tamarin, ça sent la banane, la vanille et le cumin. Le sucre de canne, la mangue et le tamarin, ça sent la banane, la vanille et le cumin. Le sucre de canne. On soulève la membrane qui est entre les deux organes. Automatiquement, après, le pollen va se rabattre en face du pistil. Dès que c'est en face, on appuie avec le pouce pour mettre les deux organes en contact. On soulève le pollen et les tubes. La pollinisation. Voilà. De la métropole, tu dis que là-bas, l'hiver et le froid te font rêver de la vanille. Donc, ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Par contre, il y a des gousses de vanille là sur cette tablette. Déjà, je vais vous expliquer. Pour savoir la qualité d'une bonne gousse de vanille, il faut que la gousse de vanille soit d'aspect souple et brillante. On peut prendre une gousse sèche entre les doigts, plier, enrouler la gousse autour du doigt, faire un nœud sans casser. C'est une bonne gousse de vanille. Sans le faire sur les marchés, vous aurez des problèmes. Si on prend une gousse de vanille comme ça, on plie et se casse. C'est normal, parce que ces gousses que vous voyez là et par terre sont des gousses de démonstration. Elles sont archi sèches. Ça fait 11 ans qu'elles sont là. Si vous allez aussi sur les marchés, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur les marchés, si vous êtes allé, vous avez certainement dû voir des grosses gousses de vanille. Marron luisante, à peu près comme les gousses que vous voyez en face de vous à droite là, et on les appelle fraîches, ces gousses. Si on prend une gousse fraîche, on plie, elle se casse, et d'une, de deux, il y a encore de l'eau dedans, et ça moisit. La vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin, ça sent la banane, la vanille. Pour échauffer, on va venir là, on va remplir la marmite d'eau, les paniers, on met les gousses jaunes dedans, c'est là. On en a 4 de paniers. Par panier, on met 15 kg de vanille jaune dedans. Tout ce qui concerne température, le temps, le chronomètre doit être quelque part. Pour chauffer l'eau, on va, comme les anciens, ils utilisaient le feu de bois, vous regardez, le feu de bois est à l'extérieur. On va donc chauffer l'eau dessous. Quand l'eau est à 65 degrés, on prend les paniers de gousses, on plonge dedans. La température va baisser, c'est normal. C'est quand ils mettent dedans, ça c'est à 65 degrés. Ensuite, ils vont laisser les gousses cuire pendant 3 minutes. Quand c'est fait, ils soulèvent les paniers, ils laissent goûter, ils versent dans la caisse. Ils recouvrent. Le lendemain après, les gousses, elles sont mortes. Et pour la stérilisation, c'est le même principe. C'est dans l'eau, mais à température plus élevée. Par contre, pour stériliser les gousses, il faut surveiller le temps. Il faut qu'il y ait du soleil et pas de vent. Normalement, demain, on devrait stériliser les gousses. Donc quand ils stérilisent, on va tout de suite mettre des gousses de vanille pour sécher au soleil. Pendant à peu près une demi-heure. Ils vont rester à côté de cette tablette pendant cette demi-heure. Touiller les gousses de temps en temps
Ensuite, ils ramènent ici pour sécher à l'ombre le reste de la journée. Et c'est après qu'ils crient pour la poudre et l'extrait. Belle bouche en fagot dans les caisses que je vais vous montrer tout à l'heure, maturation finale. Beaucoup de gens pensent que dans la vanille, c'est la pollinisation le plus gros travail. C'est l'essentiel. Le plus gros travail à faire dans la vanille, c'est trier les pollinisateurs. Mon mari, le fils, la belle-fille vont passer leur journée à cette époque. Ils viennent là, samedi, dimanche, et ils regardent douce par douce pour voir si elles sont sèches. Les sèches, ils les mettent en première maturation dans les caisses que vous voyez derrière vous. Pas sèches, ils remettent à sécher. Parce que bien évidemment, toutes les gousses ne sèchent pas en même temps. Hein. Et on a entre parenthèses chez nous à peu près 160 000 gousses à regarder chaque année. Chaque gousse, on manipule avant la vente entre 15 et 20 fois. Pour savoir si une gousse est sèche, il faut prendre chaque gousse entre les doigts et rouler. Si elle roule encore, la gousse, c'est que c'est pas bon, elle n'est pas sèche. Si elle commence à se coller au doigt, la gousse, c'est qu'elle est sèche, elle va aller en première. Il y a énormément de manipulations. Donc je vais vous montrer l'étape finale, je vais vous expliquer les produits, la conservation. Si vous avez des questions à me poser sur les étapes, je vous écoute. C'est bon? La première maturation. Les fleurs sont magnifiques, car chez nous c'est l'été. Oui, c'est plus facile. Hein? Le problème, c'est la moisissure. Et la moisissure, c'est une petite mousse blanche qui pousse généralement d'abord aux extrémités des gousses. Donc on n'a pas nous à chaque fois les défaire chaque fagot. On prend chaque fagot, on regarde bien en haut et en bas et on remet chaque fagot dans une autre. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est que ce soit en contact direct avec le soleil. Surtout au niveau des gousses. Durée de conservation des gousses et de la poudre, c'est la même chose. Donc le même temps, c'est à peu près 3 ans. L'extrait, c'est 10 ans. C'est un produit alimentaire, donc on est obligé de mettre une date pour la fin de la consommation dessus. Il ne faut pas en tenir compte, surtout au niveau de l'extrait. Même après ouverture, ça se conserve bien. Après, ce n'est pas le but, hein, quand vous utilisez quand vous achetez un produit, il faut l'utiliser, bien sûr. Hein. On a tressé des sujets en gousses de vanille, on a fait un panier, on a fait une tortue, également un papillon, pour vous montrer que quand elles sont souples, les gousses, on peut faire ce qu'on veut. Dernière chose à vous dire au niveau des gousses. Les gousses de vanille à l'intérieur, chez nous, donc, elles sont stérilisées. Quand vous allez ouvrir le paquet pour prendre les gousses de vanille dedans, veillez à ce que vos mains soient bien propres, bien secs. Parce que si ce n'est pas le cas, ça touche les autres gousses, c'est fini. Toutes les autres gousses vont moisir. Donc, faites très, très attention. Voilà, donc j'ai terminé ma visite. Si vous voulez des produits, je suis derrière. Par contre, au niveau du mode de paiement, on n'est pas encore équipé. Le sucre, le canne, la mangue et le tamarin. Moi, je te chanterai des romances créoles que tu ramènerais dans ta métropole, au bord de la mer, sur le sable clair. Toi aussi, tu apprendras à danser le séga. Ça sent la banane, la vanille, le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille, le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane. La maison de la fabrication de la vanille à Saint-André, à l'île de la Réunion.